J'ai eu peur pour mes enfants. J'ai eu peur de partir. Et puis pour aller où? Avec quel argent? J'avais honte. J'étais seule. C'est l'aide du bouclier d'Athéna qui a fait revenir le soleil dans ma vie. Et de nouveau, aujourd'hui, j'ai un avenir. Depuis 20 ans, le bouclier d'Athéna accueille dans la province du Québec les femmes victimes de violences conjugales, spécialement celles issues de communautés ethnoculturelles. À l'origine, en 1991, les créatrices de l'organisme sont parties d'un constat qui concernait la communauté grecque. Nous avons vu que beaucoup des femmes dans notre communauté n'ont jamais eu un recours au service approprié pour les femmes victimes de violences familiales. Et comme ça, nous avons décidé de les renseigner concernant leur existence et aussi concernant l'existence de, même de la problématique de violence conjugale. I remember as a young man in the mid-50s, my uncle had a restaurant on the St. Catherine Street, and every once in a while, I knew the police department there, the officers that worked there, they'd call upon me to interpret some cases that which they got a phone call for a battered wife. They couldn't speak the language, so I'd go with them and interview, and after translating to the police officer what happened, they would take the husband in, but then they'd ask the wife to press charges, and she said, "No, I have nowhere to go. Who's going to feed the child?" So there was no help then. C'est ainsi que le bouclier d'Athéna est né. Organisme communautaire sans but lucratif, ses premières actions furent tournées vers l'information. L'objectif était alors de briser l'isolement linguistique des femmes immigrantes victimes de violences. Au début, nous avons fait des campagnes de sensibilisation où nous avons traduit beaucoup de matériel existant déjà en français et en anglais, en langue maternelle, afin de mieux renseigner les gens concernant cette problématique, la problématique de violence conjugale. Mais rapidement, l'information et la sensibilisation ne suffisent plus. Le bouclier doit aider matériellement les femmes en détresse. L'organisme développe alors des services concrets. So the services that we offer at the Shield of Athena are offered at our two centers in Laval and Montreal, and they mainly consist of services for victims of family violence. These include accompaniments to the courts, to welfare. They include individual counseling, one-on-one. We offer legal clinics where women are made aware of their rights, and support groups for women victims and children exposed to violence. L'essentiel pour moi, c'est que quelqu'un a un appui, une place qui peut y aller, de savoir qu'il va avoir personne qui les aide. Et pour aider ces femmes, outre les services et le département de sensibilisation multilingue communautaire, le bouclier a ouvert en 2004 une maison d'accueil d'urgence, un refuge quelque part dans Montréal où les femmes peuvent séjourner en toute sécurité, y compris avec leurs enfants. The victims of violence are noticeably lacking in a sense of self-respect and dignity. And the Shield helps them restore it. They become aware that they have rights that are inalienable, that their spirits, minds, and bodies are theirs, that they do not have to accept violence, and that there exists a legal system there to protect them. Le bouclier d'Athéna, c'est un partenaire avec nous. Nous autres, on arrête du monde, on peut arrêter le monde, puis on va prendre la déclaration de la madame, mais on ne peut pas faire le suivi. Il faut qu'on les réfère à des organisations comme le bouclier d'Athéna qui vont prendre la femme en main, puis va l'aider à continuer sa vie et peut-être à laisser son mari de savoir où elle va s'en aller. The organization has basically exploded since I arrived here. When I started to work at the Shield of Athena, we were four employees in total. Now we have our centers in Montreal, we have our centers in Laval. We opened a shelter for victims of violence and their children in 2004. And we also developed a community outreach department.
Chaque année, le bouclier d'Athéna reçoit quelque 500 demandes d'information. La plupart débouchent sur une intervention et pour une centaine d'entre elles, sur un séjour à la maison d'accueil d'urgence. The Shield in particular has become a phenomenon in Montreal since it provides services in many languages and to different cultures, and it is now considered a multicultural institution within the greater Montreal community. Aujourd'hui, le bouclier est capable d'accueillir les femmes en 17 langues différentes. Inlassablement, il continue à éduquer, sensibiliser, informer, tout en contournant la barrière de la langue. Pour les femmes immigrées ne parlant ni français ni anglais, il est indispensable de leur parler dans leur langue maternelle. Dans beaucoup de communautés, c'est tabou. On ne parle pas de ces choses-là. Il ne faut pas que le restant du monde sache qu'est-ce qui se passe dans notre chez nous. Mais comme ça, elle a commencé, le bouclier d'Athéna a commencé à aller chercher toutes ces communautés-là pour qu'ils savent que oui, il y a de l'appui. Puis même si on ne parle pas votre langue, on va vous trouver quelqu'un qui parle votre langue. Puis regarde aujourd'hui, ils ont tellement de personnes qui travaillent avec eux dans toutes les langues. Ils sont capables d'avoir quelqu'un dans toutes les langues pour parler avec, qui vont être capables d'expliquer aux personnes leurs droits. C'est quoi leurs droits, la femme? La mission du bouclier d'Athéna est loin d'être achevée. La violence conjugale demeure à la fois un tabou et une réalité. Et nul doute que durant les 20 prochaines années, le bouclier devra poursuivre ses missions, informer, aider et protéger les victimes. On espère à l'avenir d'être capable de consolider les services qui sont déjà existants, de les offrir en plusieurs langues et aussi de mettre sur pied un foyer de longue durée pour les femmes et les enfants victimes et exposés à la violence conjugale et familiale.